Écoutez, la braderie commerciale, donc c'est la 12e braderie que la ville de Saint-Denis inaugure. Donc ça concerne le bas de la rue Maréchal Leclerc. Alors ça a un double objectif en fait. C'est d'abord redonner un ballon d'oxygène aux commerçants qui se trouvent sur cette rue. Donc pour eux, c'est aussi une façon économiquement de faire des affaires, de vendre, de rebooster un petit peu leur activité. Et deuxièmement, pour la population, on est en vacances, ça permet aussi de faire des affaires à l'approche de la rentrée. Ça permet aussi, en temps de crise, d'acheter des produits moins chers. Donc, que ce soit le dionysien, que ce soit le commerçant, les deux trouvent, c'est du gagnant-gagnant, les deux trouvent leur compte. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. En tant que ville de Saint-Denis, on est là aussi pour encourager, pour dynamiser, pour booster cette économie. Et j'espère que cette braderie, cette 12e braderie, sera une réussite et que, encore une fois, que tout le monde sera content. J'espère qu'il y aura le maximum. En tout cas, il y a 295 commerçants qui sont installés sur cette braderie-là. Et j'espère encore une fois que tout le monde trouvera leur compte au niveau de cette animation qui va durer quand même toute une semaine. N'hésitez pas. Petit moment de détente à partager avec tout le monde.